Bonjour à tous, Aurélien. Dans son jardin, à changement de texte, changement de discours, que se passe-t-il? Il se passe que tout est bien sec ici. Regardez, de l'herbe sèche. La mare. Des poissons tout aussi sèches. Enfin, il reste un peu d'eau, heureusement pour les poissons, mais il n'y a plus grand-chose quand même. Regardez le niveau d'eau. Il y avait une pierre qui était tombée, on la voyait à peine. Maintenant, on la voit beaucoup. La maison des oiseaux. Et puis tout est sec. Tout est sec comme le vide qui s'installe en moi. Pas un vide non énergique, un vide plein d'amour, un vide qui va s'épanouir dans les jours d'avenir, peut-être dans les semaines. Vous voyez, c'est vraiment très sec. Très sec, très beau, très calme. Très comme j'aime le jardin. Comme j'aime le jardin qui s'exprime. Je vais continuer mon voyage dans le jardin. Pour aller vers un nouvel objet arrivé récemment, qui me permet de beaucoup travailler, mais qui ne m'a pas permis encore, puisqu'il n'est pas positionné. Et donc c'est un engrenage, l'engrenage de la vie. À quel endroit nous situons-nous dans cette vie qui nous menace parfois et qui nous donne la chance de nous émerveiller à d'autres moments, à plein de moments en fait. Et puis le passage vers la liberté, vers la sortie du jardin qui nous amène sur ce magnifique paysage avec ses bottes lointaines. Ces rouleaux, ce magnifique paysage qui est tout sec aussi. C'est calme, c'est bon. Quelques plantations, situées pourtant au nord, elles se portent plutôt bien. Un peu sèches, mais je vais les arroser tout à l'heure. Des pieds de tomates. Les haricots verts, bon, pas très en forme néanmoins. Et puis de l'autre côté, pareil, de la végétation, des légumes. Il faudrait de l'eau, mais maintenant j'ai l'électricité et puis j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau parce qu'évidemment, il y avait peut-être un peu trop de monde au jardin pendant un moment. Le jardin donc potager a été refait. Très décoratif, avec des branches de thuya pour tenir les buttes qui sont malheureusement composées de trop peu de bonnes terres pour permettre à la végétation de s'épanouir comme il faudrait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait plus chaud que d'habitude? Ou est-ce que c'est moi qui rêvais les autres années que j'avais des légumes? Là est la question. Je me pose la question, mais sans réellement me la poser. Des buts qu'il faudra certainement retravailler pour pouvoir avoir une bonne terre, une terre végétale qui permettra d'avoir de meilleurs résultats. Mais c'est beau.
La cuve est vide, évidemment. Je crois qu'elle fuit encore. Mais c'est pas gênant, je ne suis pas pressé. Et vous savez bien, le jardin, c'est un endroit où les choses se passent et sont telles qu'elles sont. Peu importe ce qu'il se passe. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le reste n'a pas d'importance. Donc je vous montre le jardin, voilà, qui donc sera différent, prendra d'autres formes. Je ne sais pas quand ça sera le moment. Voilà, je ne vais pas vous garder très longtemps, ça fait 6 minutes. Et je vais vous dire au revoir, je vais vous dire au revoir et à bientôt. Sur une autre vidéo certainement, pas dans mon jardin. Et je vous en dirai plus sur la tournure des choses prochainement. Je nous aime et je vous dis à très très bientôt. À bientôt, au revoir.